Ce programme est déconseillé aux personnes sans humour. Et à ceux qui savent pas danser. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission Tellement Faux. Imaginez-vous aller en vacances dans votre pays d'origine et vous retrouver coincé, confiné pendant un an. C'est le cas de ces deux frères wallisiens que nous allons vous présenter. Arrête de filmer. Alors bonjour, je m'appelle Max, j'ai 20 ans et je suis confiné ici à Wallis et Futuna depuis un an. Moi je voulais juste venir en vacances mais... Vas-y, on est bloqué frère. Je n'étais jamais venu avant. Et maintenant, je peux dire que je suis un vrai Wallisien. Et vous dites ça parce que vous avez appris la culture ? Non, parce que j'ai grossi, oui. Mais que faites-vous de vos journées passées ici ? Alors, mes journées à Wallis consistent à m'amuser. Je ne fais que m'amuser depuis que je suis là. Des barbecues, baignade à la plage, des rencontres avec les jeunes, surtout les filles. Ce que je fais de mes journées ? En France, je pouvais jouer à Fortnite, Call of. Ici, je joue à PUBG, frère. PUBG, c'est de la merde. Possédez-vous un champ d'igname comme les autres Wallisiens? Non, je ne possède pas de champ. Je n'aime pas trop l'igname. Je préfère les frites, oui. Que peut-on faire comme attraction ici? Alors ici, les attractions, il y en a beaucoup. Les Wallisiens adorent faire la sono le dimanche. Ils adorent faire de la pirogue aussi. Ils adorent la baston. Ils adorent se battre. Oui, ils adorent surtout au lycée. Et les TikTok. Ils adorent ça. Même si certains... ils savent pas danser quoi. Sinon, il y en a qui vont à l'église. Ils vont rencontrer les autres, regarder leurs vêtements, rigoler ensemble. Mais pour prier, il n'y a personne. Non. Il n'y a que le prêtre. Ici, on se fait chier, frère. Depuis que je suis là, je me fais chier. J'essaie de parler aux autres, ils veulent pas me parler, ils me traitent de français. Et le pire, c'est quand je vois mon frère heureux là, j'ai envie de lui casser sa race. Et vous, quelle est votre attraction préférée ? Donc, toutes ces attractions-là, je crois que ma préférée, je ne l'ai pas citée, mais c'est faire de la musique. Il chante, il croit qu'il chante bien, mais il fait de la merde. J'ai récemment fait un mini-clip et je serais très honoré si vous pouviez le diffuser dans votre émission. Mais bien évidemment. D'accord, bah je vous le donnerai et vous pouvez le mettre à ce moment-là de l'émission. Mon petit gars, viens là. La vie mène à Wallis, aller au champ tout le temps, rentrer vite fait pour nourrir les cochons. Et non, ici c'est pas Tahiti, mais on a mal au dos. Et non, ici c'est pas Tahiti. Mais vous m'avez dit que vous n'aviez pas de cochon ni de champ. Ouais, enfin, je parlais de la vie de mon cousin, mais ça revient au même, tu vois. C'est comme si c'était moi qui la vivais sa vie. C'est un menteur. C'est ses cochons à lui. Il fait un élevage de cochons. Il sait même pas avec quoi les nourrir. La dernière fois, il allait acheter des frites pour les cochons. Et nous, à la maison, on a mangé du riz. Il me semble que vous vivez votre meilleure vie ici. C'est une belle vie. Il vous a dit qu'il vivait bien ici. Il vous a dit qu'il était bien ici. Ok. Parlez-lui de sa femme et de ses enfants. On va voir s'il est bien ici. Et qu'en dit votre femme et vos enfants qui vous attendent en France depuis le confinement? Comment tu sais ça, toi? Nous avons quitté avant de venir vous voir. Écoute-moi bien maintenant. Je vais te parler très sincèrement. Quand j'étais là-bas en France, ma femme, elle me battait. Tous les soirs, elle me frappait. Mes enfants, j'y pense tous les soirs. Menteur. Sa femme, elle l'a jamais battu. C'est lui qui voulait fuir parce qu'il assumait pas que ses enfants soient moches. Toutes mes excuses. Mais vous devriez profiter de ce moment à la télé pour lui envoyer un message. Ah, va voir l'émission. Bien sûr, c'est une émission française. Viens voir. Il n'y a pas moyen de supprimer la séquence que je viens de dire là. Nous sommes en direct, monsieur. Poisson d'avril, chérie. On est en juillet quand même. Ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Bon chéri, c'est la fin de l'émission. Mais pas du tout.
Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule. Les aéroports ont réouvert. J'arrive très bientôt. Fais de gros bisous aux enfants et je t'aime, à bientôt. Toi, viens là, toi. Monsieur, lâchez-moi. Lâchez-moi, monsieur. Monsieur, lâchez-moi. Bon, malheureusement, notre émission va s'arrêter là. À cause d'un petit problème technique. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un petit pouce bleu. Merci. Et en plus, j'ai vu qu'ils faisaient des TikTok. Mais quand tu les vois danser, quel intérêt de danser comme ça? C'est quoi l'intérêt de faire ça, là? C'est quoi? Pourquoi faire ça?